Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment avec Géoportail, on peut répondre à une problématique posée en classe, à savoir pourquoi les stations de traitement des eaux usées sont placées à cet endroit dans la commune. Ici, nous allons prendre par exemple la commune de Saint-Médard pour illustrer cette problématique. Ici, on a une zone d'habitation et la station de traitement des eaux usées se situe à cet endroit-là. Pourquoi est-elle à cet endroit-là? Donc on laissera les élèves émettre des hypothèses. Et parmi les hypothèses que l'on pourra vérifier, eh bien c'est le relief. Pourquoi? Parce que si on prend ici un profil altimétrique, on a ici par exemple Saint-Médard de Nice. Donc je vais tracer un point ici et un point là. On s'aperçoit que Saint-Médard de Nice est situé en hauteur et la station de traitement des eaux est située ici à une altitude de 17 mètres. Donc ce sera beaucoup plus intéressant d'évacuer les eaux par gravité parce que l'eau va s'écouler naturellement sans qu'on ait besoin de mettre un système de pompe de relevage pour évacuer les eaux usées et les emmener à la station d'épuration. On peut vérifier cette hypothèse sur, par exemple, d'autres communes. Ici, par exemple, on a Vérines. La station de traitement des eaux est ici. Si on reprend un profil altimétrique, Vérines, la station de traitement des eaux. Alors on va la prendre dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'on est au point le plus bas pratiquement de la commune. Et si on arrive à Vérines, vous voyez, Vérines est située en hauteur, entre une altitude à peu près de 30, 34, 35 mètres. Et l'eau va s'écouler naturellement jusqu'à la station de traitement des eaux. Cette hypothèse se vérifie également avec la commune d'Angliers. Ici, on a les zones d'habitation et on a ici la station d'épuration. Si on trace un profil altimétrique, eh bien on voit effectivement la commune d'Angliers est en hauteur, ici dans une altitude en gros de 10 mètres, et l'eau va s'écouler naturellement en suivant la pente jusqu'à la station, ici, de traitement des eaux. Alors on verra quand même aussi qu'un autre facteur, c'est en général les stations de traitement des eaux sont situées à l'est de la commune. Pourquoi? Parce que les vents dominants venant de l'ouest, cela évite aux habitants d'avoir les odeurs désagréables des traitements des eaux usées. À bientôt pour un autre tuto.